route, tu vas voir. Police! Je suis pas dans ton froc. C'est que nous. T'es à la bourre, mec. Qu'est-ce que t'as foutu? Allez. Regarde, ils sont là. Vas-y, déflingue-les. Flingue-les. Rate pas ton coup, Mike. On te regarde. Remets, maman est là. Les noirs aussi, je m'en occupe, cet après-midi. Et mon pantalon gris? Il est chez le teinturier. Ah. C'est ridicule d'ailleurs, ça fait 20 ans que je lave tes vêtements et tu n'as jamais eu à t'en plaindre. 20 ans déjà. Dépêchez-vous, vous allez être en retard. On y va, à ce soir, chérie. À ce soir. Au revoir, maman. Au revoir, chérie. Oh, et sois là de bonne heure, j'aurai une surprise pour toi ce soir. Et c'est quoi cette surprise? Si je te le dis, ça ne sera plus une surprise. Denise, maman est là? Pourquoi? Ça en a l'air? Allez, viens par ici. Michael Gerald Tyson, vous êtes déclaré coupable de coups et blessures. D'ivresse sur la voie publique. Coupable de cambriolage. Avec voie de fer. De détention d'armes et de vol à main armée. Pour deux cambriolages. De vol avec effraction. Coupable des faits qui lui sont reprochés. Coupable de recel. Vous êtes déclaré coupable. Refus d'obtempérer. Vol avec effraction. Michael Tyson. Détention. Vous finirez vos études à l'école de garçons du centre de détention de Tryon à Georgetown, au nord de l'État de New York. Comment il s'appelle? Qu'est-ce que j'en sais, moi? T'as pas vu Bobby? Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il avait repéré un môme. Bobby? Bobby Stewart? Oui, du centre de détention de Tryon. Bravo, c'est tout ce que j'aime. Un délinquant juvénile. Qu'est-ce qu'il a fait, ce môme? Demande-moi plutôt ce qu'il a pas fait. Il a été arrêté 40 fois avant son 12e anniversaire. 40 fois? Mon Dieu! Même Al Capone n'a pas été arrêté 40 fois. Ça a l'air d'être un méchant. Sans déconner. Il a pas de mère? Bien sûr qu'il a une mère, mais arrivé à un certain point, même une mère finit par jeter l'éponge. Bobby n'espère quand même pas que j'héberge ce gamin sous mon toit, non? C'est rien. Bobby n'espère rien. Tout ce qu'il veut, c'est nous montrer son poulain. Qu'est-ce que t'as? Ça va? Eh, ça va. Allez, allez-y, je vous rejoins. Viens, Kevin. C'est lui. 1m80, 86 kilos. C'est lui. Il est puissant. Ouais, je croyais tomber sur un petit aigneux. Qu'est-ce que tu lui donnes à bouffer à ton poulain, Bobby? Comme d'habitude, stéroïdes et flocons d'avoine. Oh.
Carrément aucun style, mais qu'est-ce qui cogne? C'est vrai qu'il a la santé, qu'il tape aussi dur qu'un géophrasier. Et qu'est-ce qui va vite? Attendez une seconde. Comment tu t'appelles, fiston? Mike. Mike quoi? Mike Tyson. Mike Tyson. Bon, allez-y, continuez. Qu'est-ce que tu en dis? Ce que j'en dis? Je crois que ce garçon boxe avec la haine, voilà ce que j'en dis. Allez, continue! Connard! Oh! Ça ira. C'est de ce côté-ci qu'il faut rouler. On parlait de quoi, là? Ah! Oui. Surtout ne pas te biler si t'as les chitons avant de te battre. Ce qui sera inquiétant, c'est que t'aies pas peur. La peur, c'est la fidèle compagne de tout bon athlète intelligent. Ralentis. Tiens, là, tu vois cette maison? C'est ici que tu vas habiter. Salut, Gus! À droite, là, à droite. Doucement. On y est. Suis-moi. T'es ici chez toi. Camille! Je vais te présenter une dame. Camille, je te présente Mike. C'est un boxeur. Bien. Mike. Camille Ewald. Ravi de vous connaître, madame. Ravi de vous connaître, madame. C'est rien. Alors, on fait pas cette tête. Je sais que ça fait une bouche de plus à nourrir, mais 200 dollars de plus par mois, ça nous fera pas de mal. Bon, je te montre ta chambre. C'est votre femme? Ah, pas tout à fait. La maison est à elle. Je crois qu'elle veut pas de moi. Quoi? Camille? Oh, elle est un peu sauvage, c'est tout. Regarde-moi ça. Si j'attrape le salopard qui m'a laissé ça là, il va m'entendre. Je vais lui parler du pays, tu peux me croire. J'ai une demi-douzaine de boxeurs en pension ici. Il faut que chacun y mette un peu du sien. C'est ici, à ta chambre. Faudra aussi un réveil. Ils ont mangé ma glace. Que je te vois jamais manger ma glace. C'est à moi et à personne d'autre. Quelle différence y a-t-il entre un héros et un lâche? Aucune. Ils sont absolument identiques. Ils ont peur de mourir ou d'être blessés tous les deux. C'est ce que fait le héros qui fait de lui un héros. C'est ce que l'autre ne fait pas qui fait de lui un lâche. Sur un ring, un et un seul mérite de gagner. Voilà. Quand tu montes sur un ring, il faut que tu sois sûr que accélère. C'est toi qui mérites de gagner. Allez, 82, sûr que le destin te doit la victoire, parce que tu as plus travaillé 82, que ton adversaire. Tu t'es entraîné plus dur, 82, tu as couru plus longtemps. 89, allez. T'es levé plus tôt. 90. Je sais que tu dors pas. Je sais que tu m'entends. Je ne le dirai jamais assez. Le menton toujours collé à la poitrine.
J'en ai rien à foutre que tu fasses ton footing, que tu glandouilles dehors ou que tu regardes la télévision. Garde le menton sur la poitrine. Et lève-moi les yeux. Ne lâche pas ton adversaire du regard. Il n'y a qu'un mot pour décrire Rocky Marciano. Ténacité. Il ne faisait que 85 kilos, mais il reste à ce jour le seul champion du monde poids lourd invaincu. Pourquoi ? Parce qu'il ne concevait pas qu'il puisse être vaincu. Jamais il n'a même laissé ne serait-ce que l'idée de la défaite effleurer son esprit. Ne regarde pas ses gants ! Regarde sa poitrine ! T'es fichu si tu te bats sur les gants ! S'il contracte ses pectoraux, tu anticipes ! Joe et Louis n'étaient calmes qu'en apparence. C'était de la rage qui brûlait en lui. C'était un noir dans un monde de blanc et il détestait ça. Il était dans l'arène 24 heures sur 24. Constamment en mouvement, la tête n'est jamais là où il l'a vue pour la dernière fois. Tu vois là, tu lui offres une belle cible, mais avant qu'il ait pu se tourner, tu es déjà disparu. Et toi, dans le même temps, tu comptes 1, crochet du droit numéro 5, hop, hop, 4, 1, au visage, ok? Ouais. Allez, recommence. Si on ne touche pas, tu perds pas, c'est aussi simple que ça. Quand tu seras resté en garde, bien caché derrière tes gants, tout en étant constamment en mouvement, personne ne pourra t'atteindre, jamais. Astuce, feinte. Dissimulation, c'est là tout le secret. Ne laisse jamais qui que ce soit deviner tes vraies intentions. Je vole comme le les rois de la boxe sont les rois des menteurs. Les meilleurs au monde. Je vole comme le papillon et je pique comme l'abeille. Qui a mangé ma glace? Qui a mangé ma glace? Qui a mangé ma glace, nom de Dieu? Mike. Allons. Qu'est-ce qui se passe? La mère de Mike vient de mourir. Oh non. Il n'a que le bus pour aller à Brooklyn. Conduis-la en voiture, tu veux? Bien sûr. Tu comptes faire quoi, Mike? Tu vas revenir habiter à la maison? Non, j'ai un chez moi maintenant. Salut, Mike. Salut, Jimmy. Qu'est-ce que tu fais? Une cage pour mes pigeons. J'ai appris pour ta maman. Salut, Mike. Heureux de te revoir parmi nous. Jimmy. Oui, oncle Teddy. À un de ces jours. Des pigeons. Mon père disait que c'était des rats avec des ailes.
Ça n'a pas été trop dur. Mike. Tu sais ce que c'est qu'un professionnel? Un homme qui est payé? Ça n'a rien à voir avec l'argent. Un professionnel, c'est quelqu'un qui accomplit son métier. Les sentiments qu'il éprouve restant toujours au second plan, quoi qu'il arrive. Tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Mohamed Ali me l'a donné, je te le donne à mon tour. Je voulais que tu l'aies pour les championnats juniors. Lâche pas, il frappe, lâche tes coups, mais reste levé, surtout parce que t'es contre toi. Un adversaire est très dangereux. J'ai une de ces peurs, Teddy. De quoi tu as peur? J'ai peur que Gus soit déçu. Non, tu décevras personne. T'en as boxé des plus coriaces que lui. Regarde ton adversaire, s'il te plaît. Pense à ton jeune jambe et baisse pas ta garde. Hein? Lui aussi, il a la trouille. Qu'est-ce que tu crois? Rappelle-toi ce que t'a dit Gus. Qu'est-ce qu'il t'a dit de la peur, hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il faut s'en servir. De quelle manière? S'en faire une arme pour vaincre. Exactement. Alors qu'est-ce que tu vas faire en arrivant sur le ring? Je commence par bien placer mes directs. Des sept. Touche juste le menton sur la poitrine, les yeux bien ouverts, et ensuite? Des deux. Deux. Et tu enchaînes par quoi? Des cinq. Je m'ouvre sa garde. Et tu fais quoi une fois que t'as ouvert sa garde? Je frappe des deux poings comme un malade. Parfait. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et le meilleur gagne. Hop. Dans ton poids. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu l'as eu. Bravo. Ouais. Super, super. Ça va aller, reste tranquille. Bouge pas, bouge pas. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a 3 rounds maximum chez les juniors. 8 rounds, 8 secondes. Hein? 8 secondes? Wow! Il a descendu au revolver ou quoi? Ça aurait été pareil. C'est le nouveau record de la catégorie. Il paraît que tout le monde parle que de ça. Ouais, notre héros. Toujours sur le ring, on annonce sa victoire. Il y a des gens avec lui. Bien sûr, il y a un paquet avec ça. Teddy, ramène-le. Prends 2 places dans le premier avion et tu le ramènes ici. Mais... Encore ces saloperies de requins. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Mike, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Sa mère qui a disparu, tout ça, je me suis dit... Ce serait peut-être bien... Tu penses à l'adopter, n'est-ce pas? Je sais que ça a l'air fou, mais... Qu'est-ce que t'en dis? Salut, Cass. Salut, Ted. Hey, Cass, j'ai gagné. T'avais raison. Oui, mais... 8 secondes, pourquoi t'as été aussi long? C'est bien, je suis fier de toi, Mike. Mike, tu viens me donner un coup de main? Une seconde. J'ai beaucoup réfléchi pendant que tu étais parti. Camille et moi, on a beaucoup réfléchi. De quoi? Qu'est-ce que tu dirais de nous avoir, Camille et moi, pour tuteurs? Quoi, vous pensez m'adopter? Un truc comme ça, oui.
Ouais, ouais, génial. Ok, mon garçon. Michael, toutes mes félicitations. J'ai gagné. Bravo. Camille, vous croyez que Cus parle sérieusement quand... Est toujours sérieux. Mais je veux dire, quand il m'a... Vous êtes d'accord, vous aussi? Mais alors... Je vous voudrais que je vous dise... Maman? Rien ne me ferait plus plaisir. Qu'est-ce que tu attends de moi? Il lui faut des sparring partners. Ce ne sont pas les boxeurs qui manquent ici. Des vrais sparring partners. J'en ai pas un qui fasse le poids. C'est risqué, Cus. Tu sais ce que ça coûte d'investir sur un jeune de nos jours? Il y a toujours eu des risques. Moi, je te parle du futur champion du monde poids lourd. Tu déconnes. Note bien ce que je te dis. Dans le grand livre de la boxe, le nom de Mike Tyson sera écrit à côté de celui de Dempsey, de Marciano, de Joe Louis. C'est un club très prestigieux. Quand est-ce que vous voulez le voir, alors? Qu'est-ce que tu fais là? Mike? Viens, viens, viens nous rejoindre. Tu vois ce monsieur? C'est le type le plus droit que je connaisse dans ce monde de bandits. Jimmy Jacobs. Mike Tyson, mon fils depuis... Quoi? Deux semaines? Mike Tyson, Jimmy Jacobs. Enchanté, Mike. Je suis enchanté, Monsieur Jacobs. Mike? Jimmy, hein? Et seulement Jimmy. Et voici mon associé, Bill Keaton. Mike, j'ai eu la chance d'assister à ton combat l'autre jour. C'était du très bon boulot. Merci, Monsieur Keaton. Vraiment pas de quoi, Mike. Bill et Jimmy sont des managers professionnels. Ils sont ici parce que j'ai toute confiance en eux. Ah oui? C'est le genre de personne qu'il faut avoir pour amis. Avec eux, tu éviteras bien les ennuis. Mais si tu veux être champion, il faudra que tu sois très discipliné. C'est le futur champion du monde poids lourd. Putain, mais qui c'est ce mec qui t'a raconté ça? Qu'est-ce qui t'a encore déballé comme connerie? Hein? Tu sais qui se paye ta tronche, ton protecteur blanc? Tu le sais, ça? Hein? Putain, mais je te parie qu'il y en a des centaines, des petits cons de négros qui zonent dans le ghetto et qui font comme toi ce même rêve à la con. Et tu peux être sûr que derrière chaque frère, il y a un de ces putains d'enfoirés d'escrocs qui lui jure qu'un jour, il sera interviewé par Anglo Dundee. C'est Angelo Dundee. Ouais, Angelo, Anglo, qu'est-ce que ça change? Conne. Allez, on rentre, ça me flotte tout ça. Stop, arrête la bagnole. Quoi? Salut les filles, ça baigne? Oh Rory, arrête la bagnole, je te dis. Vous allez comme ça, les filles? Oh, attendez-moi. Bah quoi, attendez? Dépêche-toi, mec, Mike. Vous avez bien une seconde? Putain, Mike. Amène-toi. Faut que tu te prennes combien de vestes avant de te décider à rentrer? Attendez-moi. Je sais pas, je te dis. Ouais, hé, vous. Ah, merde, ce bar. Oh, attendez! On voit bien qu'elles veulent pas de nous. Tu leur as foutu la trouille. Ouais. Attendez! Qu'est-ce qu'elles foutent? Laisse tomber. Ils ont dû se cacher là-dedans. Arrête, ils sont là. Elles sont pas là. Je suis sûr qu'elles sont là. Hé, qu'est-ce que vous voulez? Viens, on se tire. Qu'est-ce que vous faites là? On n'entre pas là, c'est privé. Hé, vous! Vous entendez? Vous allez comme ça? Lâche-toi! Arrête ces conneries, c'est nul, mec, c'est nul! Ah, oh, tu me lâches, toi, t'as rien demandé! Appelle la police! Appelle la police! Fichez le camp! Allez, on se casse! Allô? Passe-moi la police! Con, quand tu t'y mets? Bande de voyous! J'appelle la police! Ouais, vas-y, connard, ce téléphone à ces putains de flics, vas-y! Allez, appelle-les, vas-y! Allez, merde! Foutez-moi le camp d'ici! T'emmerdes, connard! Un jour, elle sera à moi, ta putain de boutique! Et ce jour-là, qu'est-ce que tu vas faire, hein? La police? On se casse, bordel, amène-toi! Vous emmerde! Oui, ce sont des voyous! C'est pas vrai, t'es complètement malade? Ouais. Taré! Amène-toi, on se tire! Il est nulle part!
Ce serait pas si grave si c'était la première fois. Mais c'est devenu systématique maintenant. Une connerie, puis il disparaît. Une connerie, puis il disparaît. Ça va durer combien de temps cette fois? 3, 4 jours, combien? On sait même pas où il est. À Mole Hills, t'es dit. À Mole Hills, hein? La semaine dernière, il a menacé un de ses profs. Et le mois d'avant, il a dépouillé un môme d'une classe en dessous. On a qu'à ne plus l'envoyer à l'école. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais il est clair que ça a une mauvaise influence sur le petit. Que s'il est encore en troisième à son âge, il est nécessaire... Ce qui lui est nécessaire, c'est un environnement propice à faire de lui un champion de boxe. Et qu'est-ce qu'il devient si la boxe ne marche pas? Qu'est-ce qu'il devient s'il doit se trouver du travail, comme tout le monde? Ça y est, t'as dit tout ce que tu avais à dire. Il lui faut de la discipline, Cuss. On devrait le priver d'entraînement pendant quelques temps. C'est vrai que je n'ai entraîné que 2 champions du monde, alors dis-moi ce que je dois faire. Ce sera un autre. Il y a déjà belle lurette que tu l'aurais fichu dehors. Ne compte pas sur moi pour suspendre mon meilleur poulain. Ce serait stupide. Teddy, tu as de la visite. Attends, plus tard. Je vais te dire ce qui est stupide. C'est stupide de laisser ce branleur mal tourner tout ça parce que tu as peur qu'il foute le camp si tu l'ouvres. Ne me dis pas comment diriger ma salle, Teddy. Notre salle. T'as pas oublié que ça fait 6 ans déjà que c'est notre salle de boxe. Teddy. Quoi? C'est ta sœur qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça pouvait pas attendre que je rentre? Non, justement. Mike Tyson? Oui! Tu es sûr de ce que tu racontes, au moins? C'est pas des histoires. Eh ben, je te félicite, c'est du joli. Putain de merde! Quel enfoiré! Je vais lui faire la peau à ce salaud! Bon, je m'occuperai de ça moi-même. Rentrez à la maison maintenant. Rentrez à la maison. Si vous vous laissez aussi facilement distraire, vous vous laisserez aussi facilement battre. Que tout le monde reprenne l'entraînement. Cette fois, t'as passé les bornes. Et tu sais de quoi je parle. Tu le sais parfaitement bien. Quoi? Quoi, Jimmy? Exactement, Jimmy. Mais je lui ai rien fait, je te jure, mon je sais pas... Mon cul, je sais exactement ce que t'as fait. D'abord, c'est elle qui est venue me trouver, et puis... C'est elle qui est venue? C'est qu'une enfant, nom de Dieu. Et maintenant, écoute, amuse-toi encore une fois à manquer de respect à quelqu'un de la famille Tyson. Et je te troue la peau. T'entends ce que je te dis? Je te jure que je le ferai, nom de Dieu. Je te réglerai ton compte. Tu veux me faire peur, Teddy? Rassure-toi, ça marche, je suis mort de trouille. Tu me crois pas? Dis-le. Tu me crois pas? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Jimmy? Il avait une arme! Oui, je crois, oui. Mais non, il voulait pas le tuer, non. Il voulait juste lui faire peur. Oui. Une drôle de façon de s'expliquer, hein. Mac aurait essayé d'abuser de sa petite sœur, à ce qu'il raconte. Oui, bien sûr. Enfin, je crois que je vais devoir trouver un nouvel entraîneur. Allez, ta droite, enchaîne! On monte pas sur un ring sans avoir un peu peur. La peur est la fidèle compagne de tout athlète un peu intelligent. Quel effet ça vous fait de boxer dans le circuit professionnel? Ça fait du bien. Tyson, le produit de bons professionnels et de bons points.
Tyson commence à tourner comme une tornade. Le respect pour Tyson grandit match après match. Tyson, D'Amato, un mariage réussi. C'est bien, Mike, c'est bien. Hein? T'es sûr? Joli, joli! C'est plus l'heure des visites. Vous ne pouvez pas entrer. Les visites sont finies depuis longtemps. Laissez-nous tranquille. Il a besoin de repos. Finies. Les visites sont finies aujourd'hui. Repassez demain aux heures ouvertes. Chut. Viens, Michael. Je t'attendais. C'est moi, Gus. C'est Mike. Meurs pas, j'ai besoin de toi. Meurs pas, Cass. Je risque pas de mourir avec toi. Tu me laisses même pas dormir. Ne me fais pas ça. Dis-moi que tu vas te remettre. Il faut que tu te remettes. Il faut. Je suis bon à rien si tu m'aides pas. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, si t'es pas là? Tu vas continuer, Mike. Si tu fais des conneries. Si jamais tu laisses tomber, je reviendrai du paradis de boxeur. Et je te botterai les fesses. Regarde en juillet 72, regarde un peu comme il assure encore, regarde. Tu te rends compte qu'il fait tout juste 79 kilos? Il lui rend pratiquement 13 kilos. Il le travaille toujours au corps, dans le style de Frazier contre Ali. Il aurait fallu qu'il garde sa vitesse, là, et il n'y arrivera pas. Hé, tu m'écoutes? Il me manque, Jimmy. Tu savais comme il me manque. Allez. Excuse-moi. Ce sont les gens qui ne savent pas pleurer qui m'inquiètent. C'est pas le moral. Jimmy, je me sens tout petit. Petit. Tu es Iron Mike. Le grand Mike. Je me trouve pas grand. Pas depuis la mort de Cass. J'ai jamais compris ce qui me trouvait. Il t'aimait.
Quoi? Ton courage. Ton cœur. Il disait que tes poings étaient comme des boules de bowling. Et aussi que c'était un rouleau compresseur. Un rouleau compresseur. Je te lâche pas, Mike. Je n'ai pas l'intention de m'en aller. Ce soir, pour la première fois de sa carrière, Mike Tyson se bat pour le titre de champion du monde. La flamme attisée par D'Amato est devenue un formidable brasier. Tyson enchaîne avec un terrible crochet du gauche. Burbank s'écroule. Il est sonné. Il essaie de se relever. Il s'écroule à nouveau. Cette fois, je crois que c'est terminé. À 20 ans, Mike Tyson est sur le point de devenir le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire. Mais c'est fini, c'est fini. Voilà qui est fait. La WBC a son nouveau champion du monde des lourds. À 20 ans, Mike Tyson a forgé son destin. Mesdames et messieurs, après 10 minutes, je voudrais dédier ma victoire à mon tuteur, le génial Cus D'Amato. Je sais qu'il m'a regardé de là-haut avec tous les grands boxeurs et qu'il leur a dit, c'est mon fils qui a gagné. Quelle est la chose la plus importante qui vous est apportée? Cass disait toujours que c'était une question de volonté. Oh, Mike! Alors, tu t'éclates, mec? Sur ce avec oh, Mike! Alors, tu t'éclates? Quel va être votre prochain je suis champion du monde et je vais défendre mon titre. Je prendrai les combats comme ils viendront. Ce qui est extraordinaire chez Tucker, c'est sa vitesse d'exécution. Là, regarde. Regarde là, Tucker. Crochet du gauche au foie. Attention. Bam, bam, bam. Vous voyez ça? Il lui met son direct à la tête à chaque fois. Ça loupe pas. Moi, j'en ai assez. Je vais. Arrête tes conneries. Remets le match. Hey, remets le match. Il est parfaitement en garde. Tiens, t'as vu ça? T'as vu ça? Regarde, il place d'abord son pied droit et puis il ramène le poing et aussitôt... Putain, Mike, mais remets le match. Mike, tu l'auras bientôt en face de soi sur un ring. Bon, on mange quand? Hein? Tu sors tout juste de table. Et alors, j'ai faim? Donne-moi ça, donne. Il essaie de rester à distance des poings meurtriers de Tucker. Mike, suffit maintenant. Donne, donne, donne. Tucker avance toujours. Et c'est la fin de la reprise. Les deux hommes regagnent leur coin. Putain, tête de lard! J'aimerais bien savoir ce que vous avez dans la tête en ce moment. Reprise à mettre à l'actif de Tucker. Pourquoi tu n'irais qu'est-ce pas... Qu'est-ce que tu veux? Spaghetti, ou... steak? En place, si tu veux. Je veux une purée de pommes de terre. Avec du maïs, s'il te plaît. Et puis un petit poulet en sauce sera parfait. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu sais très bien que je ne vais pas faire ce genre de bouffe. Attention, cher cousin, l'impératrice est en petite tenue. Ah, quel connard. Il y a quelqu'un? Hey, Jimmy. Hey, Bill. Bonjour. Alors, Steve, comment ça va? Oh, ça va. Salut, Kevin. On fait aller. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Ça prend un boulet que je me traîne en ce moment. C'est une montagne. La tête de mule veut rien savoir. L'a déposé dans une station service. Hey, Mike. Ah, oh, Jimmy, ce que je suis content de te voir. Alors, comment ça va, hein? Ça va. Regarde. Oh non, pitié, me fait pas mal. T'as l'air en pleine forme. Tu te sens bien? Ça va, ça tu va. Tu fais pas trop de bêtises, hein? Alors, tu t'es attrapé une chaude pisse. Ah, oh, c'est pas grand-chose. Quoi, la maladie ou celle qui te l'a refilée? Bah, les deux. Non, sérieusement, Mike. Il y a plein de saloperies qui traînent de nos jours et tu pourrais très bien y rester. C'est grave, tu cours beaucoup trop de risques. Mais c'est du passé, c'est fini, c'est terminé toutes ces conneries. Ouais, je te crois, oui. Tu vas te faire moine, c'est ça? Non, vraiment, je suis sérieux. Comment dire, j'ai envie de tomber amoureux, tu comprends? De vivre une histoire d'amour comme toi et Lorraine. Avoir des enfants. Des enfants? Tu veux des enfants? Oui, évidemment.
Arrête ça. Je plaisante pas. J'ai vu une super jolie fille aujourd'hui. Très belle et intelligente. J'arrête pas d'y penser, je suis amoureux. Je crois qu'elle s'appelle Robin. Elle habite le quartier ? Non, je l'ai vue à la télévision. À la télévision ? Quoi, c'est vrai ? Anna ? Allô, est-ce que Robin Givens est là ? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me passer, Robin ? Allô ? T'es con, mec. Allô, Robin, ici Mike. Mike Tyson. Allô, deuxième. Qu'est-ce que vous dites ? Allô, comme dans Allô qui est à l'appareil. C'est vous, Robin ? C'est mon prénom, oui, et vous allez finir par l'user. À qui ai-je l'honneur ? Mike Tyson. Mike Tyson ? Le boxeur ? Oui, c'est ça. Oh ! En voilà une surprise. Une bonne, au moins. Excellente pour l'instant. Je sais. Et que me vaut le plaisir de cet appel, Monsieur Mike Tyson ? Eh bien, voilà. J'aime beaucoup ce que vous faites depuis longtemps. Et je me suis dit que ce serait cool si vous et moi, on pourrait peut-être sortir un soir tous les deux. Et... Vous aimeriez qu'on se rencontre, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Je me suis dit que je pourrais peut-être venir à Los Angeles vous rendre une petite visite. Enfin, si vous êtes d'accord. Ça devrait être un beau combat. Une jolie jeune femme assise avec les habits de Mike. Sa nouvelle petite amie. Sa nouvelle petite amie ? Il m'a dit que cette fois, c'était sérieux. C'est lui qui... Il est amoureux fou. Tu t'amuses beaucoup. On dirait un kamikaze. Et cherche pas le chaos tout de suite. Travaille-le au corps et ensuite à la tête. Et tu sais ce qui se passera si tu perds ce soir, hein ? Eh ben, cette jolie fille que tu sors choisira de s'envoyer l'autre enfoiré dans l'autre coin. Elle lui fera tout un tas de trucs pendant toute la nuit. Et tu sais pourquoi ? Hein ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle... Pas qu'à foutre ! Ce qu'elle veut, c'est le champion. Elle n'est pas venue pour Iron Mike. Elle veut le vainqueur. Elle en a rien à foutre du nom qu'il porte. Elle veut le champion du monde et rien de moins. Tire, tire, oui, vas-y, Mike.
Mike, Mike, recule-toi, recule. Cox. Vas-y, mets-la, s'il te plaît. Elle est très jolie, cette couronne. Vas-y, mets-la pour moi. Ce soir à la victoire. Je sais où il faut la mettre. Il vient d'unifier la couronne mondiale des loups. La WBC et la WBA n'ont plus qu'un seul et même champion. Et quel champion! Ce petit garçon né à Brooklyn vient de prouver que même issu des milieux les plus défavorisés, on pouvait, grâce à la boxe, arriver au sommet. Tu es ma reine. Une reine d'un soir. Non, pour la vie. Commandez le soleil. Sure. Allez, Robin, s'il vous plaît, lui, répondez à la question pour nos auditeurs. Félicitations, Robin. Vous formez un très bon cours. Merci. Vous avez fait vite. Un très bon cours. Oui, c'est vrai. Êtes-vous heureuse? Oui, je suis très heureuse. Ah, ils l'ont coincé. Il va falloir qu'elle apprenne à les éviter. Tu plaisantes, elle vit pour ça. Ah, il faut que j'appelle Camille. Dépêche-toi, Camille. Salut, ça va? Mike, où étais-tu passé? Comment ça, où je suis passé? Je viens de me marier. Marier? Oh, Mike. Oui, oui, je sais, mais il fallait surtout pas que ça sache. Tu comprends, on a dû faire vite. Voilà, maman, Robin est enceinte. Elle m'a dit que ça faisait déjà 3 mois. Mike. Alors, maman, tu me dis pas que ça te fait plaisir? Si, bien sûr que si. Je te félicite, mais... ce qu'il y a, c'est que... qu'est-ce qui se passe? Mike? Mike, c'est Bill. Jim. Tu connais la nouvelle? Oui, j'ai entendu. Toutes mes félicitations. Je suis heureux pour toi. Mais j'ai de mauvaises nouvelles. Jimmy nous a quittés. Sa leucémie a eu raison de lui. Toutes mes condoléances, Mike. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Jimmy vient de mourir. Oh, nom de Dieu. Écoute, ils seront enterrés en Californie vendredi prochain. Je vous ai réservé des billets d'avion. Elle est entrée comme une tornade dans mon bureau en disant « Je suis Madame Mike Tyson et je prends en charge les intérêts de mon mari. »
Elle n'a pas dit « Mon Dieu, Bill, je suis désolé que votre ami associé de 20 ans soit mort cette nuit. » Absolument pas. Elle est entrée comme un ouragan et m'a demandé un exemplaire du contrat de Mike. Le jour même de la mort de Jim. Merde. Le jour même. Ah, c'est pas trop tôt. Bill, c'est bon. C'est la voiture de Mike Tyson? Excusez-moi, vous êtes avec Monsieur King, je suppose. Monsieur King? Les requins sont déjà passés à l'attaque. Oh, comme c'est émouvant. Typiquement américain. Regarde un peu, Keaton, la composition de circonstances. Jamais vu une tête pareille. Faudrait lui en mettre une médaille. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? C'est un comble. Mike. Mes plus sincères condoléances. Bill. Don. Oh, Lorraine. C'est vrai que Jimmy et moi étions rarement du même côté de la table des négociations, mais j'avais du respect pour lui. Et j'ai toujours attaché beaucoup de prix à son amitié. Croyez-moi, il me manquera. Il me manquera beaucoup. Merci. Doris. Bonjour, Monsieur King. C'est humiliant. Il devrait déjà y avoir des voitures. C'est incroyable, ces gens-là ne savent pas comment on traite un champion. Moi, quand je manageais Ali, il n'a jamais eu à attendre dans un aéroport. Jamais. Hé, hey, mon frère, on a des places de libre. Pourquoi ne ferais-tu pas la route avec nous? Bien. Allez, monte. Très possible que le retard de nos voitures soit dû à Maître King. En tout cas, les requins sont passés à l'attaque. Tu sais que tu as eu beaucoup de chance d'avoir Jimmy pour manager. Je crois que c'était tout à fait ce qu'il te fallait, quelqu'un qui joue le rôle du père au début de ta carrière. Ouais, c'était un type bien. Remarquable. C'est un très joli costume, mon frère. Oui, très joli costume. Oui. Dis-moi une chose, Mike. Tu as confiance en Satan? Satan? Keaton. Oh non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Satan. Je voulais dire Keaton. Mais ma question garde tout son sens. Tu as confiance en lui? Oui, je crois que oui. Combien il te coûte? Si je ne suis pas trop indiscret. 30%. 13%, c'est tout à fait raisonnable. Non, pas 13, 30%. 30%. Et c'est lui qui organisera ton combat contre Spinks qui va se faire courant juin prochain. Que dirais-tu, Mike, si je te faisais l'offre suivante? 5 combats sans difficulté, pour 5 millions de dollars chaque, si tu acceptes de boxer pour moi et de quitter Satan. Je veux dire, Keaton. Faut que j'y réfléchisse à tête reposée. Tu as raison, Mike. Tu as tout ton temps, rien ne presse. Abraham, Yitzchak, and Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Valea, Vim, Shor, Tzadikim, Butit, Koneyos, Shabagan, Eden, Benamar. Amen. Alors, qu'est-ce que King te voulait? C'est-à-dire ce qu'il voulait depuis longtemps. Tu m'as offert 5 combats faciles pour 5 millions chaque si je refuse ton combat contre Spinks. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Pourquoi devrais-je faire 5 combats faciles pour le prix qu'on me donne pour un combat facile? Ça la lui a coupé. À qui? À Don King?
C'est certain, au fond, l'homme. Le yitro, bitro, hachaim, nipsismos. Al hanacholosa, vasanoach, pusholom. Al mishkova, venomar, viskadash. Shemei rabo. Vilma, divra, garutushi, yamlich, malhusei. Bechayekon, biomechon, ובחיי לכל בייס ישראל, מהגולו ובזמן קורי, ביברו, אמן. יהי שמי רבו מבורך, יולם ולולמי. יספורר וישתבר, ויספואר ויספורר, ויסדר ויסלם ויסלם, שמי דקודישון וריחו. ואילה מן כל דרכוסה ושירוסה, ça va, Mike? Les cimetières se remplissent de plus en plus vite. Jimmy, Cass, ma mère, toutes les personnes en qui j'avais confiance sont au fond d'un trou. Depuis que je gagne du fric, plus rien n'est pareil. En qui avoir confiance maintenant? Tu as toujours Bill? J'ai entendu des trucs très curieux. Robin? Tu sais sûrement mieux que personne comme je l'aime, mais... la confiance et l'amour, ça n'a rien à voir. Tu comprends? Robin Givens est passée directement du feuilleton télésexy à une vie de rêve pourtant bien réelle. Elle est devenue la reine du champion du monde de boxe poids lourd Mike Tyson. Nous voyons ici les jeunes mariés devant le palace de 4,6 millions de dollars que Mike vient d'acquérir à Vernon, dans le New Jersey. On m'a raconté que Bill Keaton avait offert à des amis à nous 50 000 dollars s'il réussissait à saboter notre mariage. C'est bien simple, dans le monde de la boxe professionnelle, il y a des escrocs encore pires qu'à Brooklyn. King fournit à Robin toutes sortes de rumeurs qu'elle a la faiblesse de croire. Je crois sur parole Russ Wadberg quand elle nous dit que sa fille tremble pour sa vie. Elle pose en effet l'impardonnable question, où est l'argent de mon mari? Que voulez-vous quand on me dit que Mike n'a que 50 millions en banque au lieu de 70 millions, c'est qu'il y a un problème. J'ajouterai que je soutiens également Robin Givens, qui est de loin à mon avis ce qui est arrivé de mieux à Mike Tyson. Putain de journaliste de merde! J'ai encore 3 ans de contrat avec Mike. Si King, Givens et Robert essaient de le briser, j'en référerai à la Cour suprême, c'est tout. Bill Keaton est un mégalomane. À l'en croire, il contrôle l'univers. Personne ne contrôle Mike Tyson, je suis le patron. Bill Keaton est mon manager, Don King mon promoteur. Ça va pas chercher plus loin. Tyson massacre Tyrell Vicks et conserve son titre. On a toujours la pression quand on est champion du monde. Iron Mike, Mellary Holmes, KO 4e round. Il suffit que je me laisse mettre KO et tout s'arrête. Le contrat entre Keaton et Mike Tyson, c'est de l'esclavage. Ce n'est pas un contrat, c'est un titre de propriété. Si on veut un esclave noir aujourd'hui, on l'achète. C'est aussi facile qu'au siècle dernier. Je ne suis pas anti-blanc, je suis pro-black. King essaie de rallier Tyson à cette théorie selon laquelle les blacks doivent rester ensemble. Manager black, entraîneur black, promoteur black, black, black. Je suis le meilleur boxeur au monde, personne ne peut me battre. Mike Tyson est notre héros, notre sauveur. Chaque coup de poing qu'il donne, il le donne pour tous ceux qui subissent des discriminations, quelles qu'elles soient. Tous ceux que l'on terrorise, les laisser pour compte, les déshériter, les exclus de la nation. C'est pour me piquer mon fric que les gens veulent être mes amis. Tout le monde me demande sans arrêt des sous. Comment une femme qui est allée à la prestigieuse école de Sarah Lawrence et qui a suivi, m'a-t-on dit, les cours de l'école de médecine de Harvard, peut-elle tomber amoureuse d'un garçon formé à la rude école du direct du droit? Voilà, je me pose aussi la question. Il me semble que nous avons des valeurs en commun, les traditions familiales. Et puis, par-dessus tout, nous nous aimons, tout ça. Les traditions familiales. Alors là, je rêve. Où est-ce qu'elle va chercher ça? Tu as l'air sceptique. Sceptique? Oh, c'est pas difficile. Plus sceptique que moi, tu meurs. Tout le monde sait très bien qu'elle n'a jamais fait l'école de médecine, d'Harvard d'ailleurs. Et je sais aussi, et de façon tout à fait certaine, que contrairement à ses affirmations, elle n'a jamais été top modèle à l'agence vente, comme elle le dit sans cesse. Tu sais, il paraît qu'elle est enceinte de 5 mois. Ouais, elle est enceinte de 5 mois.
On raconte qu'elle était enceinte de 3 mois quand sa mère les a fait se marier. Oh, Carl, si tu veux que je te dise, cette femme a le vol dans la peau. Mais c'est absurde. C'est atroce. Il est évident cette fois que vous avez décidé de faire votre deuil du peu de respect qui existait encore dans cette profession. De quoi parlons-nous ici? De Michael Spinks contre Mike Tyson. Une affiche qui devrait raisonnablement rapporter dans les 70 millions de dollars. Et vous m'en offrez à moi, le promoteur. 3 misérables petits millions. Non, non, messieurs, désolé. Ce n'est qu'un salaire de misère. Ce que vous osez qualifier de dernière offre est un chantage inacceptable. C'est une insulte à la morale. Ce sera aussi mon offre finale, Don, et c'est à prendre ou à laisser. Bill, tout le monde autour de cette table est au courant que pour de telles rencontres, le promoteur touche généralement 30%. Qu'est-ce que c'est que ces 3% de merde, là? Qui est le promoteur? Le câble et les droits de télévision pour l'étranger ont été signés, les bourses ont été négociées, le coût de la salle a été payé. Le promoteur est une notion aujourd'hui dépassée. La vérité est que nous n'avons pas besoin de vous. La vérité, c'est que vous êtes un homme d'affaires, Bill. Et on n'a jamais vu aucun homme d'affaires, aussi nul soit-il, distribuer 3 millions de dollars comme ça sans de bonnes raisons. Mettons que ce soit par pitié pour vous. Ou mettons plutôt que vous craignez que votre champion en prenne conscience et qu'il vienne travailler pour moi. 3 millions, à prendre ou à laisser. Robin! Michael, nous sommes là. Oh, Michael. Oh, Michael, Dieu soit loué, tu es là. Michael, Michael, viens. Viens près de moi, viens. Il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois fort. Dans 2 semaines, Tyson Spinks, jamais un combat n'aura autant rapporté dans toute l'histoire de la boxe. L'autre jour, à la conférence de presse, j'ai vu Don King serrer la main à Donald Trump. Non mais tu réalises, toi, King et Trump qui signent un contrat. Il y a 17. Va bien falloir non, une vas-y. Bonne douzaine d'avocats pour réussir à déterminer ce qu'il y a. Que t'as pioché la bonne. Et encore. Hé, hey, Kevin. Allez. C'est pas un peu inhabituel pour un champion en titre de faire sauter l'entraînement? Non, pas du tout. Ça se produit tout le temps. Il faudrait que quelqu'un le dise à Spinks. Il s'entraîne comme un malheureux, lui. T'as des rois? Non, pioche. Quel menteur. Je suis sûr que t'en as au moins, espèce d'enfoiré. Pioche. Tu l'emporteras pas au paradis. T'as des deux? Et regarde qui arrive, Kevin. Voilà ton poulain. Hé, hey, Mike! Un petit commentaire sur ce qu'a dit Spinks hier. 21 millions, Mike. Tu vas pas laisser Spinks les gagner? Waouh, waouh, waouh. Vise un peu qui arrive. T'es là pour bosser? Non, parce qu'il faut nous prévenir, on a mieux à faire que glander. C'est pas la peine. Laisse tomber. Allez, Mike, vas-y, place quelques coups. Faites-lui la gueule, file-lui une leçon. Ça suffit. Quoi, déjà? T'arrêtes pas, qu'est-ce que ça veut dire, ça suffit? Ça suffit quand moi je dis que ça suffit. Epps, reste sur le ring. Écoute, on remet ça demain, si tu veux. Tu te fiches de qui? On remet rien du tout, pas avant que tu te sois défoncé assez pour perdre ton gros cul de bouffeur de cheeseburger. Allez, on y va. Putain, on n'a pas que ça à faire. Laisse tomber, Kevin. Pauvre. C'est vraiment pas le jour pour le tanner aujourd'hui, je t'assure. Ah, et pourquoi ça, conseiller? Écoute, ça n'a rien à voir avec toi et moi, alors arrête. Robin a fait une fausse couche. Une fausse couche? Ah, ouais. Tu le connais mieux que personne. C'est un garçon sensible. Ce serait dans son intérêt, mais aussi dans celui de tous ceux qui lui vouent de l'affection, de le laisser un peu tranquille. Ouais, je vois. Je te suis reconnaissant, Rory. Je fais ça pour lui. Ouais. Mike, remonte sur le ring.
Mais c'est pas vrai, t'es con ou quoi? Qu'est-ce qui... Bon, alors maintenant j'en ai marre, je t'ai assez vu, l'ascenseur. Toi, je t'emmerde. Mike flippe à mort et s'il y en a un qui devrait faire gaffe à ça, c'est toi. J'ai aucune leçon de délicatesse à recevoir d'un ami à 250 000 dollars par an. Fumier, je le gagne, ce fric. Ouais, je suis son ami, c'est la vérité. Et j'éprouve du chagrin pour lui. Tu ressentirais la même chose si t'étais pas aussi nul. Non, j'en éprouve du chagrin, t'en fais pas. Je suis sidéré que pas un de ses amis ait eu les couilles de lui dire que Robin était aussi enceinte que moi. Boulot. Je t'emmerde. Moi aussi, je t'emmerde. Je fais que lui dire ce que tout le monde dans le business sait depuis longtemps, à savoir qu'il se fait baiser dans une combine que Madame Mère et sa fille ont organisée. Serviette. Laisse tomber, t'as pas besoin de ça. T'as entendu le blanc? Quand le blanc dit saute, le nègre dit à quelle hauteur? Le blanc dit « bats-toi », le nègre dit « jusqu'où ?» Le blanc dit « jusqu'à la mort », le nègre dit « oh, avec joie, maître !» Frappe-moi, vas-y. Frappe, fais ton boulot, mec, vas-y. Oh, tu m'as touché. Montre-moi ce que tu sais faire. Allez. Arrête tes conneries. Fais pas semblant, frappe, je te dis. Vas-y, frappe. T'as failli me mettre KO. Continue, je te donne encore une chance, mec. Continue. Je peux pas, Mike. C'est n'importe quoi. René, ça veut rien dire. Je peux pas. Arrêtez-le. C'est pas vrai. Ça va? Ça va? Toi! Allez, monte, espèce d'enfoiré! Mange-toi, putain, mange-toi! T'as 10 secondes pour me descendre. 10! Allez, vas-y! 1! 2! 3! Pas semblant, connard. 8. Dis-moi si tu peux, espèce d'enfoiré. Autrement, c'est moi qui te tuerai. 9. Et 10. Putain, Mike, mais qu'est-ce que tu fous, merde? Merde, faut l'arrêter! Viens par ici, ma biche. Je te remercie sans façon, vieux frère. Réfléchis, 1500 dollars la semaine, ma biche. Ouais, gardez la monnaie, monsieur Tyson. Ravissante que j'aime. Monsieur Winston, allez, papy. Très cher. Monsieur Winston. Vous voulez bien l'ignorer? Bien sûr. C'est pour vous. Merci. Ça compte? Bien sûr, c'est très important.
Je viens d'être viré. Mike également? Oui, oui, rassurez-vous, j'y veillerai. C'est bien. Ce soir, ça marche. Mike Tyson défendra une prochaine fois le champion du monde poids lourd face à Michael Spinks. On voit toutes les chances d'être passionnant. Michael Spinks, en effet, est un bon technicien. Il est bien capable de créer la surprise. Les supporters sont persuadés que son style devrait lui permettre de déstabiliser Tyson et de le tenir à distance. Reste à savoir si ce sera suffisant pour contenir la puissance du tenant du titre. Tout à fait. Si on trouve certains supporters prêts à parier sur le style de Spinks, il y en a tout autant qui le jurent ce soir que par la puissance et la vitesse de Tyson. Écoute, Michael Spinks qui arrive le premier sur le ring. 13,5 millions de dollars au minimum garantis pour Spinks. Dépêche-toi. Jeux olympiques et qui n'a jamais perdu un combat professionnel. Tyson, pour sa part, s'il l'emporte, gagnera davantage. Lui aussi est toujours invaincu chez les professionnels. Son palmarès professionnel ne compte aucune défaite et 31 victoires dans 21 par KO. Médaille d'or aux Jeux Olympiques. Il est considéré par de nombreux amateurs de noblards ainsi que par certains journalistes de la presse spécialisée comme étant le champion du monde poids lourd. J'ai l'honneur de vous présenter, mesdames et messieurs, Michael Spinks. Dans le coin rouge, il était le couleur du grand et regretté que Stamama. Il s'entraîne à Catskill, État de New York. Il accuse sur la balance 99 kilos. Son palmarès professionnel ne compte aucune défaite. 34 victoires, dont 30 avant la limite. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le champion du monde invaincu et incontesté catégorie poids lourd, Iron Mike Tyson. Y aller, messieurs. Je vous ai rappelé le règlement dans les vestiaires tout à l'heure. Avez-vous des questions? Alors, touchez-vous les gants et que le meilleur gagne. Bonne chance. Bats-toi pour que c'est Jimmy. T'as compris? Allez, vas-y. Reste fidèle à ta bosse et ça se fera tout seul. Thank you.
Attention, Mike. Fais attention à ce coup. Ça y est, c'est réglé. Mike a déjà signé. Faites-moi confiance. Michael va enfin pouvoir prendre ses affaires en main. Par là, au fond à droite. Il continue de le voler comme dans un bois. Vous vous rendez compte que Mike paye encore aujourd'hui toutes les factures de Camille. Nourriture, produits d'entretien, elle lui fait tout régler. Hé, hé, mettez-moi tout de suite une barge, vous. Vous allez salir mon tapis. Chut, Barbara a commencé. Au début, je crois qu'elle était plus attirée par moi que moi par elle. Vraiment? Non, c'est faux. Si, si, je crois que si, justement. Parce que je sais qu'elle disait que je l'intéressais pas parce que j'étais un boxeur, mais parce qu'elle m'aimait plus que moi. Qu'attendez-vous de Robin? Au tout début de notre histoire, attention, je crois que... Mike, on est à la télévision. Vous avez raison. Depuis, comment ça a été? Comment avez-vous vécu cette vie de montagne russe? Ça a été une vraie torture pour moi. Ça a été un véritable enfer. Ça a été pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Chaque jour, il a fallu que je me batte, que je me défende. Contre qui? Des managers, des hommes d'affaires, des membres de la famille. J'ai dû lutter pour conserver ma dignité. Je n'aurais jamais cru avoir à subir ça. Michael est un maniaco-dépressif. C'est comme ça, c'est un fait. Et vivre avec lui, ça a été pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ils l'ont drogué, ce qu'on l'a. Mais regardez-le. On parle souvent sans savoir des femmes qui souffrent de mauvais traitements. Aujourd'hui, je sais. C'est incroyable, ça. C'est pas Mike, c'est Mickey. Pourquoi l'aimez-vous, Robin? Parce que... il y a un côté de Michael pratiquement inconnu de tous. Un côté que j'ai découvert lentement avec le temps. Une incroyable, une réelle gentillesse. Mais aussi, peut-être parce que je sais qu'il m'aime plus que tout au monde.
et je lui ai offert un équilibre. Ce qui est, pour moi, l'essentiel. Vous souhaitez qu'il continue la boxe? Je souhaite continuer de vivre avec Mike Tyson jusqu'à la fin de ma vie. Et avoir des petits Tyson. Voilà ce que je souhaite. Mais ça n'arrivera pas tant que Michael ne se soignera pas. Dans le cas contraire, resterez-vous avec lui. Non. Ben voilà. Eh ben, c'est ce que j'appelle se faire planter. Mes frères, c'est une nouvelle preuve de la puissance de notre Seigneur. Ses voies sont impénétrables. Tu as vu l'émission sur eux l'autre soir, la télé? Non, je l'ai raté. Bah, pour résumer, ça m'étonne pas qu'ils nous appellent aujourd'hui. C'est vous qui avez téléphoné? Vous êtes là, vous, c'est pas trop tôt. On a bien failli se faire tuer. Ça y est, c'est bon, vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien à me voler? Monsieur! Quel salope, ces deux-là! Qu'est-ce que vous voulez, vous? Hein? On a reçu un appel pour une scène de ménage. Faudrait déjà qu'il y en ait un de ménage. Tout le monde sait que c'est des putes. Je t'emmerde! Je crois que vous vous êtes tous les deux laissés emporter. Et alors, je suis chez moi ici! Et je vous emmerde! Je fais ce que Et je veux! C'est complètement dingue, ce mec! Qu'est-ce que vous avez fait? Tirez-vous, je veux plus Ces vous voir! Ces menaces risquent un jour de se retourner contre je vous. Je l'ai jamais menacé. J'ai jamais touché un cheveu de sa tête. Celle-là, c'est la meilleure. Monsieur! Et vous foutez le camp! Dans ce pays. Je crois pas avoir commis la moindre infraction et vous avez rien à foutre sur ma propriété. Monsieur Tyson, avant de partir, je vous ai dit de foutre le camp. Vous n'allez pas le laisser s'en sortir comme ça. Vous allez l'arrêter pour le jeter en prison. Ça va, gardez votre calme. Calmez-vous, calmez-vous. Mike, restez où vous êtes. Pas un geste, Mike, pas un geste. Tirez-vous, pauvre conne. Bordel de merde. Il est cinglé. Il est fou. J'en ai marre, et je vous emmerde. Et vous, vous faites rien pour l'arrêter! En particulier la vieille conne! Oh! Ah, excuse. Qu'est-ce que tu veux? T'as dû lui dire les mots qu'il fallait pas que tu lui dises, Mike. Je sais pas ce que c'est, mais alors, tu l'as mis dans une colère noire. La compatibilité foncière de caractère que Robin demande finalement le divorce. Tu sais pourquoi elle t'attaque en Californie, hein? Il peut exploser n'importe quand, on a sans cesse la peur au ventre. C'est une vraie bombe. Voici donc un homme qui a menacé de tuer sa femme. Pas quelqu'un d'ordinaire, mais sans aucun doute, l'un des hommes les plus agressifs et méchants de cette planète. Oh, génial. Naturellement, les Japonais adorent Mike Tyson. Quand? Février. Mike, ce serait en février pour toi. Un enfer quotidien. Oui, février, ça va. Contre qui? Mais on s'en fiche, tout le monde s'en fiche. Dites-leur qu'il va affronter le grand Hulk. De toute façon, les Japonais achètent des billets pour n'importe quoi. Michael m'a frappé à la tête plus d'une fois et des deux points. Il n'aura aucune chance. Il sait où cogner et comment cogner pour faire mal sans vraiment causer de dommages. Buster Douglas? Oh oui. Oui, je sais ce que j'ai dit à propos de Douglas. Je sais, je ne crois pas une minute que qui que ce soit paiera pour voir Mike assassiner Buster Douglas. Il fait quoi, Buster Douglas, actuellement? Quoi? Oh, Mike. Buster est actuellement livreur de moquettes. Quoi, Kevin Rooney? Il est descendu. Oh, mon pauvre Kevin Rooney est parti. Oui. Pourquoi? Et parce que ça me fait économiser 2 millions de dollars par combat. Après, au sommet de la crise, Michael est descendu au bar et il s'est attaqué à la bouteille de vodka. Et verre après verre, il a bu comme si c'était de l'eau. Et puis il est revenu dans la chambre. Bien sûr, d'accord, on se rappelle. Très bien. Il s'est saisi du tube de lithium et il s'est enfermé dans la salle de bain en disant qu'il avait décidé de renoncer à la vie. Mike, que ça te serve de leçon. Ce qui est terrible dans tout ça, et quelles que soient les circonstances, tu ne manqueras pas de respect envers une femme de couleur. Selon lui, c'est lui la victime. Oh, regarde, je crois que c'est ça. C'est Mike Tyson. Super, c'est Mike. Ouais, c'est super, ce qu'il fait là, je l'adore. Très bien, j'ai l'impression qu'on va pas s'ennuyer. Salut, Mike. Qu'est-ce que tu viens faire ici, à Harlem? Ben, je connaissais pas, alors je suis venu me rendre compte comment vivaient les Noirs. Je suis noir moi-même, mais il y a très peu de gens qui le savent. Mike, s'il te plaît, fais-moi un autographe.
Tiens, je te le fais là, ma puce. Voilà, ma belle. Salut, Mike. Ouh, regardez ça. Je rêve, ma parole, ton mec te laisse sortir seul. Eh oui. Ça alors, t'es libre ce soir? Bien, ce serait pas cet enfoiré de Tyson. Qu'est-ce que tu veux, Beach Green? Qu'est-ce qui me fait chier, ce connard? Ah, très drôle. Mais dis-moi, qui porte le pantalon chez toi, pour tâche? Ouais. C'est ta salope de femme ou sa salope de mère? C'est pas toi, en tout cas. C'est soi-disant un champion et chez lui, c'est qu'une pauvre lavette. Tu veux que je te remette une branlée, c'est ça? Mon cul, ouais. Tu m'as jamais battu, pauvre con. Et c'est pas ceux qui ont vu le match qui diront le contraire. Je crois que tout le monde se souvient que tu t'es retrouvé les quatre fers en l'air. Si t'es aussi fort que ça, pauvre tâche, dis-moi où est Robin, hein? Je vais te dire où elle est. Elle est chez moi, à poil, à passer la serpillière. Et elle va se coucher, les jambes écartées, en m'attendant. C'est un connard. On se barre. Allez, vas-y, Mike, casse-toi la gueule. Tu crois qu'il va y aller? Alors, qui c'est qui porte le pantalon, Mike? Toi ou Robin? Pousse-toi de mon chemin. Mais ça te va comme réponse, Miss Con? Je voudrais, pourquoi pas, sortir avec Mike Tyson. Buster, 42 contre 1. Avez-vous des informations que les bookmakers ignorent? Vous savez, il y a aussi le désir de vaincre qui compte. Je suis venu pour battre Tyson avant la limite, mais personne ne me croit. Regarde-moi ça. Il en prend plein, il en place pas un. Réveille-toi, Mike. Ouais, vas-y, c'est bon, Mike. Mike, séparez-vous. Boxez correctement. Tyson prend plus de coups dans ce combat face à Douglas qu'il en a pris jusqu'à aujourd'hui dans toute sa carrière professionnelle. C'est stupéfiant. Douglas domine outrageusement le champion du monde. En vrai, je n'ai jamais vu boxer aussi mal. Stop, stop. Break, allez. Break, j'ai dit break. Oui, excellent. Un formidable uppercut de Tyson. C'est le compte le plus lent que j'ai vu de toute ma carrière. Le combat est terminé. Il est resté au tapis pendant plus de 15 secondes. Time.
Où vous êtes allé chercher cet arbitre? Tout ce qu'il veut, c'est faire perdre mon petit. Il est resté plus de 10 secondes au tapis. 10 secondes, au moins 20, oui. Pas mal, s'il te plaît. Regarde là-dedans, il doit y en avoir. Je regarde. Fais vite. Alors, elle vient, cette pommade? Mais on n'en a pas. Donne-moi un peu de glace. Donne-lui de la glace. Oui, une seconde. Cette putain de glace. On n'en a pas. Je trouve ça en merde, il pourra plus ouvrir l'œil. Rory, mets-lui un peu de vaseline, juste là. Aboline. Aboline, qu'est-ce que c'est? Je suis allergique à la vaseline. Oh, nom de Dieu! Regarde si on en a. Nom de Dieu, nom de Dieu. Putain! Déplace-toi, Mike. T'es trop statique. Il se régale, il fait ce qu'il veut. Visse la tête, descends-le. Ton hypercute, ton hypercute. Ouais. Challenger lui donne un sacré coup de main. Oui, c'est bien, Mike. Bouge la tête, Mike. Remue-toi, Mike. Remue-toi, mon Dieu. Ne se relève pas, ce sera la plus énorme surprise de l'histoire des championnats du monde poids lourd. Allez, il faut se relever. Thank you.
jamais très longtemps en brûlant la chandelle par les deux bouts. J'ai peur que Mike Tyson ne se relève jamais de ce chaos. Buster Douglas est resté au tapis pendant 16 secondes. Il était KO. Non, vous, écoutez-moi. J'ai les enregistrements et je les donnerai à la WBA, à la WBC ainsi qu'à l'ABF. Aux trois. Et tout le monde constatera qu'il était KO dans le huitième round. Non, Mike n'a pas perdu sa ceinture parce qu'un arbitre sorti de je ne sais où ne sait pas comment compter un KO. C'est injuste et vous le savez très bien. Qu'est-ce que tu fous là? Tu ne sais donc pas comment couper ces bandes? Allez, enlève-lui ça. Je vais te rendre ton titre, t'en fais pas. Et tu sais que je fais toujours ce que je dis. Ouais, je sais, ouais. Je te rendrai ta ceinture, Mike. Soit il désavoue cette décision, soit... Y'a rien à faire, Buster a gagné. Reviens sur Terre! C'est toi le vainqueur, Mike. Allongé par terre. La rencontre était finie. Je sais que j'ai perdu. Oh, nom d'une pipe, Mike! Je peux pas entendre ce genre de conneries, ce comportement de vaincu. Tu n'as pas perdu, tu entends? Je l'aurai bientôt prouvé. Alors surtout, ne va pas me foutre dans la merde, Mike. Ok, c'est compris? Ok, Dan. Je t'ai compris. Je n'ai pas perdu. Allez, je vais leur donner de quoi travailler. Du calme, mes frères, du calme. Je vais répondre à toutes vos questions. Mais écris dehors, allez, allez, tout le monde dehors. Mike, on se passe plus tard. Tu veux quelque chose? Je veux rentrer à la maison. Disparition. Qui a mangé ma glace? Ne t'avise jamais de toucher à ma glace. J'aimerais que nous fassions le point sur les 37 heures que vous avez passées à Indianapolis, en commençant par votre arrivée le 17 juillet 1991, en vue de votre participation à l'élection de Miss Black America. Alors qu'est-ce que ça fait de ne pas être champion? Dites-le moi, comme ça on le saura. On raconte ici et là que vous vous revoyez avec Robin Givens. Robin qui? Robin Givens, votre femme. Monsieur Tyson, veuillez nous dire ce que vous avez fait une fois arrivé à l'Omni Hotel. Salut mon frère. Salut, comme Rory Holloway. Shirley Neal. Mike, Charlie Neal, heureux de vous Johnny Kidd. J'aime beaucoup ta musique. Heureux de te rencontrer. Alors dites-moi les gars, on les voit quand? C'est beauté. On pourra y aller après que vous ayez répondu à mon interview. Ah non, non. D'abord les miss et toi après. Allez, on passe, pêchons-nous. Vous croisez les unes après les autres. Voilà, bien dans le rythme, bien dans le rythme. Salut. Hé, Mike. Qu'est-ce qu'il est mignon. Allez, les filles, on n'a pas de temps à perdre. Et vous, en
prenez votre place, s'il vous plaît, sur la scène. Je suis mal, putain, je suis mal. Allons-y, dépêchons-nous, s'il vous plaît. Mademoiselle Washington, quelle a été la réaction des candidates quand Mike est arrivé? Nous étions toutes très excitées. Dois-je comprendre qu'à un moment donné, M. Tyson a été invité à participer à la répétition? Oui. Et dois-je aussi comprendre qu'au cours de cette répétition, il vous a pris dans ses bras et vous a demandé si vous vouliez sortir ce soir-là? Oui. Vous ne l'aviez encore jamais rencontré? Non. Nous nous mettions au lit quand le téléphone a sonné. Allô? Bonsoir, Désirée est là? Oui, qui la demande, s'il vous plaît? Dites-lui que c'est Mike. D'accord, un instant. Un certain Mike. Allô? Rebonsoir, c'est moi, Mike. Mike Tyson? Oui. Mike Tyson? Je l'ai vu à la radio. C'est Mike Tyson, le téléphone! Ok. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? T'entends rien? Oui, un instant. Oui, c'est moi qui... Ça va. Quoi de neuf? Je me demandais si vous seriez d'accord pour m'accompagner à une soirée. Ce soir? C'est un peu tard pour une soirée, non? Non, la nuit ne fait que commencer. Je ne sais pas. Pourquoi pas demain soir? Si on mettait à demain? Ce sera avec plaisir, mais je quitte Indianapolis demain. Venez, on va bien s'amuser. Bonsoir. Bonsoir. Jolie robe. Merci. Monsieur Tyson, qu'avez-vous fait une fois que Miss Washington fut dans la voiture? Je l'ai embrassée. Allons-y, chauffeur. Quelle fut sa réaction? Elle m'a embrassé. Un hôtel. La soirée se passe là-bas? Non. Mais il faut que j'y passe pour chercher mon garde du corps. Oh, Mike Tyson a besoin d'un garde du corps. Oui, bien sûr. Vous êtes d'où? Rhode Island. Oui. Je croyais qu'on allait chercher son garde du corps, puis qu'on ressortirait quelque part en ville, dans une de ces soirées privées, avec d'autres vedettes. J'ai pas mis. Et ensuite, où êtes-vous allé en sortant de l'ascenseur? On a pris le couloir jusqu'à sa chambre. Vous avez des animaux? J'ai des pigeons. Oui? Combien vous en avez? Je sais pas, 200 peut-être. 200? Non, c'est vrai? Je trouve ça génial. Moi, j'ai un petit chien. J'en ai pour une seconde. Entrez. Quelle différence y a-t-il entre un héros et un lâche? Il n'y a pas de différence. Ils ressentent exactement la même chose. Ils ont tous les deux peur de mourir ou d'être blessés. C'est ce que fait le héros qui fait de lui un héros. C'est ce que l'autre ne fait pas qui fait de lui un lâche.